Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, nouveau décor et comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui je vous parle d'emménagement. Je vous montre tout ça sur YouTube. Alors le contexte, du coup j'ai pris un appartement avec mon chéri en plein centre-ville d'Orléans. On a toujours vécu en campagne d'Orléans à peu près 20 minutes et comme on travaille tous les deux sur Orléans, on a décidé de se rapprocher de nos boulots tout simplement et aussi de prendre notre indépendance et de prendre notre premier appartement. Donc l'appartement est très grand, il fait 70 mètres carrés, donc on le meuble comme on peut. On va le meubler au fur et à mesure parce qu'il est très grand, donc il y a beaucoup d'endroits à meubler. Je vous ai filmé plein de petites parties de l'emménagement tout simplement parce que comme on habite juste à côté, on a décidé de faire l'emménagement quand on pouvait, quand les meubles étaient dispo, quand on pouvait avoir une camionnette. J'ai également fait quelques travaux, donc je vous ai filmé tout ça pour cette vidéo-là. Quand on aura un peu mieux aménagé l'appartement, je refilmerai un appartement où je vous présente vraiment l'appartement, les pièces, la déco et tout le tintouin. Mais aujourd'hui, c'est juste l'emménagement. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et également à mon compte Instagram où je suis beaucoup plus active, à luna-gnnytb que je t'écrirai juste ici. C'est parti! Aujourd'hui, on est venu à l'appart après le boulot pour pouvoir amener pas mal de meubles, quelques trucs. Et puis aussi pour pouvoir faire un peu de ménage. Coucou! Donc voilà les meubles qu'on a amenés. On a amené mon bureau, un petit meuble comme ça. Vraiment des petits trucs en vrai. Ici, on a les pieds de la table juste là, et ça, c'est mon bureau. Donc voilà. Elle aide son papa. Elle est rien du tout. Contente de sa connerie. Non, Daisy. Juju essaye d'avancer sur la table, mais il lui manque une clé Allen pour pouvoir visser ce vis-là, donc ça fait chier. On les a pas et les voisines n'en ont pas non plus. Je sais pas si on va réussir à la monter un jour cette table. Il y avait plein de calcaire vraiment là sur les jets, donc j'ai tout aspergé de vinaigre pour bien nettoyer tout ça. Donc là je vais commencer à ranger les trucs que j'ai achetés. Elle, elle s'est très bien acclimatée, pourtant elle va même pas vivre là, mais elle adore. Bon voilà, c'est le grand jour, on est devant l'appartement, on est en train de déménager, on a amené tous les plus gros meubles aujourd'hui, dont le canapé, une étagère, la chaise, mais en vrai on avait déjà amené beaucoup de choses, donc ça va aller vite. On vient de ramener mon miroir, ma chaise, les coussins du canapé, les accoudoirs, et là les gars vont aller ramener le canapé. Quelle merde ce canapé. Oula. Ah ouais putain. Hello, nouvelle journée à l'appart. Aujourd'hui, on est venu encore pour amener des trucs et aussi pour enfin finir de monter la table à manger. C'est une vraie galère. À chaque fois, il nous manque des outils qu'on a laissés à la maison et donc du coup, on ne peut pas terminer. On va réussir un jour. Enfin, Juju va réussir parce que moi, clairement, je l'aide juste. Je suis très fière, ça avance plutôt bien. Donc, plus qu'à tout consolider, la table sera montée. Trop hâte de voir comment ça va faire dans cette grande pièce qu'on doit encore repeindre. Très contente parce que j'ai aussi ramené les deux petites tables et mon tapis, donc du coup je trouve que ça fait trop beau. J'ai ramené mon bureau, donc ici il y aura mon petit coin bureau, je vais ramener ma ring light, mon porte-vêtements et tout pour faire tout mon petit setup pour tourner pour l'année prochaine. Et là j'ai mis un petit tapis avec un miroir pour pouvoir prendre mes photos de mes tenues tous les jours et tout. J'ai trop hâte de mettre là tous les matins et de faire du coup voilà. On est trop content, on vient de finir de monter la table, on a mis le tapis en dessous pour voir comment ça faisait. Au final, il est trop petit, on va aller en racheter un plus grand, une grande carpette. Et du coup, on est trop content, notre petite table, trop belle, en bois comme ça, avec des petits pieds en bois.
noire, hein, c'est plutôt joli. Hello mes cops, on va actuellement à l'appartement du coup à Orléans, donc nous on n'habite pas très loin, du coup on peut se permettre de faire plein d'allers-retours. Du coup ce soir on a décidé d'emmener enfin le lit, les tables de nuit et tout, enfin vraiment tout ce qui manquait. Là on est sur la route et puis bah, c'est parti, derrière mon coffre est un peu chargé mais le plus gros est dans la bénette devant et dans une autre voiture aussi. Donc c'est parti. Nouvelle journée où on va à l'appartement, donc là les gars sont en train de repositionner le truc. On vient tout juste d'arriver à l'appart. Moi, je me suis garée un peu plus loin. J'ai ramené tous mes nounours, trucs qui servent à rien, qui sont pas lourds. Et là, du coup, ils sont en pleine manœuvre. Voilà, c'est ça que je veux voir, bordel. Pas 4 pour porter un meuble. Ah bah, tu m'aurais aidé, ça aurait été mieux. Ah bah là, on enchaîne. On enchaîne. Tu me dis rien pour grand chose de valeur. Petit sourire. Ah, trop beau. Ça, c'est un bio, hein. Ouais. La deuxième partie arrive. Comme à tous mes déménagements et à tous mes engagements, ils m'engueulent parce que je fais plus filmer que d'aider en fait. C'est vraiment pas sympa. Oula putain. Ah oh, trop forte Manina. Une vraie déménageuse. On a ramené cette commode là, on a aussi ramené celle-là, le porte-vêtements. On a ramené tous les éléments pour ma chambre, donc ça ce sera le meuble TV, nos deux tables de chevet, et là faut qu'on monte le lit et le matelas. Et ce sera donc notre chambre. Hier on a été à Conforama, acheté plein de choses, dont un aspirateur, c'est vraiment essentiel, un meuble TV. Et là, pour l'instant, notre télé, elle est sur une commode en fait qui n'est pas du tout faite pour être un meuble télé, donc c'est trop haut. Bon, le déballer, ça va. Mais maintenant, il faut ouvrir la notice. Oh my god. Oh my god. Super. On a déjà monté le tiroir, ça avance un peu quand même. Et presque tous les pieds. Hey, tu vas pas, tu vas tout péter là. Aujourd'hui c'est une grande journée parce qu'on repeint l'appartement. On a une pièce qui est jaune et on peut pas se la voir, donc c'est parti. On peint. En premier on a commencé par dégager les angles, ce qu'on nous a dit de faire, et maintenant on fait le rouleau. Très content Gaëtos. C'est stylé, non? Deuxième soirée peinture. C'est pas mal ou pas? Bah oui, c'est pas mal. Il y a presque plus de jaune. Allez, on peint les dernières couches de jaune. Par contre, ce soir, c'est toi qui l'as mis, ça, je vais passer. Sympa. Ça c'est vraiment le truc de poussette qui se fait dans ta main.
Donc voilà le avant-après de notre salle à manger. On est très contents, on a ramené du blanc. Ça fait beaucoup plus moderne, ça fait moins vieux que le jaune, ça fait plus clair. Ça ramène de la lumière dans la pièce qui est déjà un petit peu sombre, donc on est vraiment trop contents. On a mis que deux couches par-dessus du papier peint. Simplement parce que les murs n'étaient pas droits, donc on ne pouvait pas peindre sur les murs, on n'allait pas tout refaire en fait. Donc on a peint par-dessus le papier peint, on a déjà mis deux couches. On aimerait bien remettre une troisième couche prochainement. Sauf qu'on en a ras le cul de la peinture, donc on va clairement pas le faire tout de suite. Avant de terminer la vidéo, j'ai quand même fait le choix de vous montrer quelques petits dérushs, quelques petites vidéos de l'appartement pour vous montrer un peu comment on l'a décoré, quel est le mood de l'appartement, que j'avais envie de vous montrer avant l'appart tour dans quelques mois. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions pour emménager dans ton futur appartement. J'ai essayé de vous présenter au mieux l'appartement sans trop vous spoiler pour le futur appart tour qui viendra dans quelques temps quand l'appartement sera vraiment bien aménagé. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt !